dans le cadre de l'affaire des 49 militaires ivoiriens interpellés à l'aéroport international de Modibo Keïta, Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, a annoncé ce 20 juillet 2022 l'expulsion avec effet immédiat du porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado. D'après le communiqué, les autorités de transition maliennes, il lui est reproché d'avoir affirmé sans fondement que les autorités maliennes avaient été préalablement informées de l'arrivée des militaires ivoiriens. Rappelons que le gouvernement ivoirien, après consultation avec son partenaire français, avait demandé une libération sans délai des mercenaires qui ont été traduits devant les instances compétentes. Une affaire qui continue de faire couler beaucoup d'encre dans la sous-région, jusqu'où ira Alassane Ouattara dans sa volonté de déstabiliser les pays voisins qui refusent de se soumettre à l'oligarchie française et à l'impérialisme occidental. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci de vous abonner. Au revoir.